Ah mon dieu! Bon! Salut à tous, c'est Darx. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Donc on se retrouve une fois de plus sur Splinter Cell Blacklist. Donc là j'en suis normalement à ma sixième mission principale dans ce jeu. Ça sera celle-ci. Usine désaffectée, Londres, Royaume-Uni, campagne solo. Donc comme d'habitude, je l'ai déjà faite. Elle est relativement simple. Hein. Et avant toute chose, avant d'entamer cette mission, à la fin de justement de cette mission usine désaffectée, nous ferons ensemble le mini-jeu metagame contre-espionnage. Alors c'est pas facile à expliquer ce que c'est que ce metagame, mais en fait, comme vous pouvez le voir sous vos yeux, vous avez un texte. Et dans ce texte, en fait, c'est en fait un jeu de pistes. Voilà, pour faire simple, c'est un jeu de pistes qui se déroule à l'échelle du globe. Voilà, tout simplement. Par exemple, et dans le texte qui vous est proposé ci-dessous, que nous propose Briggs, il y a en fait des indications pour trouver la suite de ce contre-espionnage. En fait, ce contre-espionnage-ci, chaque contre-espionnage, pour faire simple, est composé de 6 jeux de pistes. Et il faut trouver à chaque fois où ça nous mène. Par exemple, là, je vois dans le texte écrit, il y a les Kirghiz et Tadjiks. On peut en déduire que ça se déroule donc au Kirghizistan et au Tadjikistan. Voilà. Mais nous ferons ça à la fin de la mission, une fois que j'aurai un peu de sous, pour pouvoir justement débloquer la fin de ce metagame. Parce que là, jusqu'à présent, pour l'instant, je l'ai pas assez. Il faut au minimum 30 000 $. Et comme vous pouvez voir en haut à droite, je n'ai que 23 865 $. Bon, allez, trêve de blablatage. On va se concentrer dans un premier temps à cette mission. Usine désaffectée, Londres, Royaume-Uni. Allez, c'est parti. Hop. Sans blague, tu vas refuser de me donner ces projections? Écoute, Anna, je ne peux pas te donner de chiffres, il me faut d'autres avis. Rien que la portée du facteur de vie. Je ne te demande pas de signer un article dans Battery Magazine, Chuck. Je te demande ton avis éclairé sur la meilleure méthode pour empêcher les ingénieurs de tuer encore plus de monde la prochaine fois. Maintenant, envoie-moi ces résultats, ou je serai obligé d'invoquer mes magnifiques habilitations présidentielles pour venir fouiller et tout retourner dans tes serveurs pour les trouver. Tu préfères quoi? Écoute, c'est des conjectures. Les labos ont la pression. Le facteur de virulence est élevé, les conditions idéales. Je veux un chiffre. Au pire, ça passe dans le circuit principal, on ne fait rien pendant quelques jours. 500 000 de morts, plus 1 000 000 à l'hôpital. Tu vois le tableau? Je vois très bien. Merci, Chuck. Bon courage pour l'article. Voilà les infos que tu voulais sur Vic Costa. Merci. Tu sais, on serait pas obligé de suivre la procédure pour trouver Sadik si tu me laissais pirater le MI5. Alors ce serait l'incident diplomatique et tu moisiras en prison pour le restant de tes jours. Pas si on le fait en douce. Tu veux bien m'expliquer? On a tracé tous les numéros de passeport que Nourri t'a donné. Analyse de réseau, itinéraire de voyage, transfert de fonds. De l'analytique foireuse. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Que dalle. Ce qui prouve que je perds mon temps à bricoler des routines pour scanner des tonnes de données. Putain de merde. Les ingénieurs sont à Londres. C'est foireux, l'analytique? Bien joué, Grimm. Ces types sont tous connectés à Sadik? Et entre eux. C'est une cellule dormante. C'était... Elle a été réactivée. On la joue comment? Il n'y a qu'une solution. On hack le MI5 pour savoir ce qu'ils savent? Oublie ça, Charlie. C'est trop risqué. Sadik a fait partie du MI6. Et il a peut-être encore des amis là-bas. S'il nous repère, il s'envolera avant qu'on ait pu l'approcher. On dirait qu'ils sont dans une usine désaffectée. C'est au milieu de l'eau. Il y a plusieurs positions de sniper. Je vais trouver une solution. Charlie, tu vas l'aider. Briggs? Je suis là. On a une mission. Tu surveilles tout ce qui se passe. C'est parti. Dans les passagers 3, tu seras obligé d'observer avant de t'engager.
Amène le trirotor, ça peut éviter quelques embuscades. Ok, donc... lui nous conseille de prendre le trirotor, sachant que le trirotor j'ai toujours, hein, comme d'habitude, donc... c'est bon, on lance la partie directement, on entre dans le vif du sujet. En espérant ne pas trop en baver une fois de plus. Comme je le disais, comme d'habitude, je ne m'attarderai pas trop sur les troupes d'ennemis à faire dans le détail. Mais je n'entrerai pas non plus dans le bourrinage ultime. La discrétion, c'est toujours bien. J'espère que j'aurai bien le temps de faire le metagame. Au pire, ça dépasse l'heure de jeu, eh ben, ça la dépassera, hein. C'est tout. Hein. Je ne peux pas non plus tout... ou alors je ferai une vidéo à part tout de suite après. Ouais, on verra. J'aviserai suivant le temps de jeu que j'aurai mis à accomplir dans cette mission. Je les tire, Briggs. Je vais entrer. Bien compris, je me dirige vers la position Bravo. Allez, c'est parti les gars. Donc notre destination se trouve là-bas. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la Tamise en Angleterre. C'est parti. Allons-y. Alors là-bas nous avons un petit toutou et des toutous. Je n'apprécie pas trop parce que les toutous... Ouh là là. J'ai cru. On va essayer de faire le chien en douce. J'arrive près de l'usine. J'ai fait me faire rôder. Les hommes qui ont volé les passeports de nourrice sont planqués à l'intérieur. Et viens, viens. Viens me les coquettes. C'est l'autre qui me repère là. Je vois beaucoup d'activités au niveau du sol. Passer par le toit reste la meilleure option. Reçu. Allez, hop, on planque le chien. On regarde s'il n'y a pas notre ami, le sniper, qui nous attend. Pour l'instant, ça m'a l'air bon. Allez. On éteint la lumière. Est-ce que j'ai moyen de grimper? On va grimper ici. Hop. Voilà. Oh non. Putain, c'est qu'on faillisse. Hop! Allez, allez, va faire un tour là, je sais pas, fais quelque chose, mais arrête de m'observer. Admirez la vue, tant que vous y êtes, les gars. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, j'ai le son de la télé, il est vraiment au minimum, donc j'entends rien du tout ce qu'ils disent. Je ne suis pas au courant. Bon, s'il met 10 plombes, ça va pas me plaire. Non, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, la première fois, je l'avais attrapé par l'extérieur. Cette fois-ci, on va essayer de le faire différemment, comme ça. Voilà, allez, hop. Tais-toi. On va ramasser le corps. Et on va le foutre... bah attendez, on va pas s'emmerder justement, on va le foutre dans l'eau. Histoire de... ah menace. Ah bah si, c'est bon. C'est bon, j'ai cru que j'étais un étage au-dessus. Alors par contre, gros problème dans le jeu, c'est dès qu'on a, on va dire, des escaliers à franchir, on va dire, des grosses marches, on est obligé de lâcher le corps et de le reprendre après. On peut pas descendre avec le corps sur le dos. Gros problème, mais bon. Voilà, un souci en moins. Monte, hop. Ici, rien de bien important à faire. Hop, là, je monte ici, hop,
continue mon ascension vers les toits de l'immeuble. Grim, j'escalade le mur de l'usine. Briggs, tu me couvres ? Ok. Position Bravo atteinte. Je vois un camion qui sort. On dirait qu'il déplace du matériel. Reçu. Sam, à midi. Ça va ? Je l'y tire. Merci. Ok, merci Briggs. D'ailleurs, où est-ce qu'il est, Briggs ? Je suis sur le toit. Moi, j'ai retrouvé les plans. C'était un ancien moulin, il devrait y avoir un monte-charge dans les ans. Ouais, je me pose la question. Où est-ce qu'il est, notre ami Briggs ? Peut-être ici, je sais pas. Ouais. C'est lui là qu'on voit ? Ah non, même pas. Non, je sais pas. Je ne sais pas où il est. Bon, allez. On poursuit. Là, on prend la gouttière, on monte la gouttière, le chenot, et on va se charger de notre ami. On grimpe ici, hop, comme ça, et là, on se charge de lui. Voilà, fait dodo. Le corps, on va le déplacer et le planquer gentiment. Et là, maintenant, à partir de maintenant, c'est les choses sérieuses qui attaquent. On va mettre là, ici, voilà. On va déjà voir un peu où sont nos amis. On en a un ici. Je sais qu'on en a un en dessous là-bas. Voilà. Et un sniper au fond. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore un peu plus personnalisé Fisher. On va passer là. Avec notre ami qui était ici est parti tout au fond, donc à ce niveau là pour l'instant je ne peux pas me le faire. It's slippery up here, mate. A little wind, I'm taking flying lessons. I'll make sure Sadiq's in splash to your family. Don't hear me complaining, enough. That's because you're too dumb to know you're screwed. Who's gonna come over the rooftops on a night? Ils sont en train de discuter, hein, en anglais. Pas de sous-titres, malheureusement. Donc l'autre, on va attendre qu'il arrive pour le choper. Là-bas, nous avons l'autre. Notre sniper baqué là-haut, tout simplement. Vous pouvez voir son laser ici. Voilà, voilà, on l'aperçoit quand il arrive. Voilà, lui, on se le fait proprement. On rampe ce corps histoire de le planquer, de ne pas le laisser à la vue de notre ami avec le laser qui pourrait donner l'alerte. Allez, on va le lâcher ici, dans l'herbe. Continue. Donc là, ce que je peux faire, c'est passer ici. Hop, voilà. Le problème, c'est qu'apparemment, je suis obligé de grimper. Allez, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là, putain, je vais me faire repérer avec ces conneries là. Putain, j'ai pas. Ouais, voilà. Fou. Allez, on va continuer comme ça, là, parce que j'ai pas confiance du tout à passer derrière le parapet. Yep. Comme ça, la technique. Non, la technique, j'ai dit. Voilà. Ici. Ce foutre là. Le principal, c'est de se faire lui avec le laser. Le seul problème, c'est qu'il reste l'autre en haut. Et ça peut être un problème si je m'en occupe pas. Donc, on va être prudent. Éviter de se faire repérer inutilement. Hop, voilà. Oh,
Ah mince, je peux pas tirer. Voilà. Ouh, j'ai cru qu'il l'avait rodé. J'ai eu chaud les gars. Par contre, bah l'autre, je crois que je sais pas où il est en fait. Oh, il y a encore un autre laser. Putain, laser sniper là-bas. On va planquer les corps déjà. Dans un premier temps. Voilà. Histoire de pas trop attirer l'attention. Là, là on peut l'attirer vite fait. Avec la lumière et tout. Voilà, ça c'est fait, mais bon, ça sert pas à grand chose, hein. On sera d'accord pour l'admettre. Même si on va se manquer. Putain, c'est chaud là parce que. Non, c'est bon, il regarde là-bas. J'ai cru qu'il regardait ici, mais non. On le fout là. On descend et on va se charger du dernier. Dernier sniper. Ah, il y en a deux. Au pire, j'utilise le mode exécution. Si vraiment il m'emmerde trop. Où est-ce qu'il est l'autre? Ah, mais attendez, je crois que l'autre en fait est dessous. Voilà. Bon, je vous précise une fois de plus hein, que je joue en normal. Mais que j'ai fait déjà la première tentative, enfin la première tentative, la première fois que j'ai fait l'émission, je l'ai fait en réaliste. Histoire de vraiment corser le truc et de vraiment voir jusqu'où le jeu va. Et je peux dire qu'en réaliste, c'est une autre paire de manches. Par contre, au niveau des ennemis, ah non, il est là l'autre. Putain. Ah ouais, là, j'ai intérêt à la jouer. Voilà. Jouer prudent. Allez, hop. Histoire de bien faire les choses, on va te mettre avec ton pote. Et voilà, voilà. Bon là, par contre, je dois dire que le fond de... Les graphismes de fond, on va dire. Je vais appeler ça comme ça. Hein. C'est pas mal. C'est correct. Hein. L'eau, ils ont un peu amélioré l'eau. Bon, sachant que c'est pas une mer, c'est juste la Tamise, mais bon. C'est correct au niveau de... Là on voit la lune. Ouais, ça se tient quoi. Ça se tient, ça se tient. Par où j'étais passé là? Oh oui, j'étais passé par ici. Donc on va passer par là. Hop. On va aller se faire attaquer à rentrer dans l'usine. Là maintenant les phases en extérieur c'est terminé. Maintenant on s'attaque à l'usine elle-même. Voilà, lui c'est fait, on grimpe, on prend le corps, on va le cacher, on le fout là par exemple, il attire moins l'œil, qui s'est tombé de la pièce. Hop, on éteint la lumière, parce que Sam Fisher n'aime pas la lumière. Là, il n'y a plus d'ennemis. Normalement. Allez, c'est parti. On prend la cage d'ascenseur et on descend. Sam, j'aime pas ça. On a identifié les hommes que Nouri a envoyés là. Il n'y a pas que des soldats. Tu peux pas être plus clair. Il y a tout un tas de spécialistes. Chimistes, snipers, techniciens. C'est une vraie Dream Team. Il y a sûrement aussi des chauffeurs professionnels. L'IMS suit la remorque depuis qu'elle a quitté l'usine. Elle a pris tous les tunnels et changé plusieurs fois de tracteur. On l'a perdu. Le chargement doit être lié à leur prochaine attaque. Compris. Ok, ok. Bon. Ici, pas d'ennemis, hein. Par principe, j'éteins les lumières. Que j'aime pas laisser la lumière allumée. Par contre, maintenant, où nous allons, il y a du monde. Au préalable, je vais me prendre quelques... à recharger les munitions, tout simplement, hein, même si j'en ai pas grand bon besoin. Oui,
That was never offside. Et on coupe le tissu. Là, il y a du monde. On a intérêt à la jouer. Le jouer finaude. Il me semble qu'il y en a un qui va monter par ici. Voilà, ça me faisait chier pour être poli. Alors, qu'est-ce qu'ils font, nos amis? Que font-ils? Comme par hasard, j'ai machin. Pile en face, allez. Voilà, donc ils sont 4-5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça y est, il arrive. On va se planquer. On va attendre qu'il aille faire ses petites affaires. Et nous nous occuperons de ses collègues. Voilà. Hop, voilà. Sachant que la première fois, j'ai failli me faire repérer ici avec lui. Hein. C'est vraiment pas passé loin de la catastrophe avec ce type. Donc le but de la mission, je vous ai même pas parlé du but de la mission. Pourquoi Sam Fisher est ici? En fait, il s'agit dans cette unité désaffectée, se cache tout simplement des, on va dire, une cellule terroriste faisant partie des ingénieurs. En fait, une cellule qui a été réactivée et ils sont en train de, je sais pas ce qu'ils sont en train de manigancer, ils sont en train de faire un espèce de trafic d'armes, tout comme ça. Enfin, trafic de, je me rappelle plus exactement. Je vous mettrai tout ça dans la description de toute façon. Hein. Bon, il s'allie, nous avons affaire à une cellule dormante. Une cellule dormante qui a été réveillée, c'est marrant à dire, mais c'est comme ça. Une cellule dormante des ingénieurs qui a été réactivée et qui prépare un attentat, tout simplement. Voilà. Alors, on va s'occuper de nos amis, si vous le voulez bien. Hop, il est là. Donc j'en ai 3 à buter. 3 même plus. Donc on va se faire... Oh, ça c'est chiant. Lui. Lui. Et le troisième. Qui est là-bas. Si j'arrive à l'avoir, bien évidemment. Voilà. J'essaie de les faire les 3. On va voir si je vais y arriver. Normalement, à un moment ou un autre, ils vont se regrouper ensemble. Allez les petits. Des fuites au toit là. Hein. Pas bien. Pas bien correct. Bon, j'en ai déjà 2. Et lui, le troisième. Oh, est-ce qu'il va venir? On le voit, mais est-ce qu'il se décide à venir? Oui, 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 il vient. Ouais, c'est bon. Dès que les 3 seront rouges. Ah, mais j'ai pas de bol. C'est vraiment pas de chance. Oh, il est parti où, lui? Il vient ici ou quoi? Oui, bon, là, c'est-à-dire que j'ai pas toute la nuit. Bon, il revient là. Par contre, j'espère que l'autre va pas se barrer. On va se foutre là. J'ai les 3. C'est bon. Voilà. Et l'autre a dû filer au fond. Voilà. Oh, j'ai eu chaud, les gars. Je sais pas pourquoi je le bouge. Sachant qu'il est bien où il est. Si on va se charger de son cas, on va se charger de son cas comme il faut, même, j'ai envie de dire. Oh, je voulais passer par la fenêtre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a à télé? Mauvaise réception là, hein. Mauvaise réception, pas bien correct. Lui, on va le planquer tout en restant attentif aux autres types qui se cachent au fond. Ah ouais, bah là Sam, tu t'es bien loupé, hein. Foutu. Allez, hop. Pas le temps, de toute façon. Attendez, j'ai vu qu'on pouvait... Si j'éteins le compresseur, ici... Ouais, ok. Si tu veux, quoi. Voilà.
comme vous pouvez le voir. Les autres sont dans un espèce de bureau. Voilà. Putain. Lui, on va se le faire, lui. Lui. Voilà. Exécution prête, mais comme vous pouvez le voir, l'autre qui se trouve dans le bureau est un casque. Et je veux dire, c'est pas vraiment d'un grand intérêt de se charger de ces deux-là via le mode exécution. Donc, on va procéder d'une autre façon. En espérant ne pas se faire repérer. Pour l'instant, j'ai pas de mort à mon actif, mais bon, ça ne saurait tarder, comme d'habitude. Et je peux vous dire que là, j'ai galéré un moment avant de pouvoir... J'ai vraiment pas d'idée concernant les deux, là. Électricité, ça leur fait rien. Enfin, quoique... Est-ce qu'ils ont... Il a un casque, bon, ok. Mais est-ce qu'il... Grenade lacrymo. Est-ce qu'il a un masque? C'est ça ce que je veux savoir. A-t-il un masque? Ouais, à mon avis, ouais. C'est, en fait, c'est un des types qui a les... comme je vous ai montré dans la fois, les drones. Les petits drones à ras de terre. Mais je sais comment je vais m'y prendre. Je le sais. Hop. Je le vois. Putain, chaud. Il voulait pas tirer, mon... Ah, j'ai failli encore y passer, là. Mais bon. J'ai pas foiré mon type, et... Personne n'est venu... voir ce qui se passait. Donc, on va dire que j'ai réussi mon coup. Merveilleux. Allez. Planquage de corps, comme d'habitude. Ouais, parce qu'en fait, lui, là, il, dès que un des types se fait avoir et qu'il nous repère, il lance des drones à l'infini. Et il peut en lancer 4-5 et on peut, au bout d'un moment, on se fait avoir, quoi. Il sort pas de la pièce, sachant qu'il ne sortira jamais de la pièce. Voilà, il se mettra sur son petit ordinateur ici. Et se mettra à lancer des drones. Et ça, ça me plaît pas. Hop! Je casse tout, je suis un fou. Il est où l'autre? Le tank aussi, lui. Voilà. Bon, il y a plusieurs façons de les avoir, hein. Ça c'est clair et net. Hein. On va dire que j'ai pris la moins chiante. Allez, on va planquer lui. Et après, on passera à l'étage inférieur de cette mission. Hop. Continue à descendre, Sam. On dirait bien qu'il nettoie l'endroit. Il faut agir vite. Ok. Si tu le veux bien, Grim, je vais chercher des mumus. Voilà, c'est fait. Là, il n'y a plus personne. Je peux continuer. Il y a le camion qui part. Je le vois. Essaie de pas le perdre, Charlie. Ça va, lâche-moi un peu. Fais ce que tu peux. Je rejoins la zone de chargement. On va attendre que notre ami revienne, là. Excusez-moi. On va en profiter pour regarder la vue. Il pleut. Normal, on est en Angleterre, il pleut. Voilà. Lui, c'est fait. On en est débarrassé. On va le planquer ici. Hop. Voilà. On se met ici. On utilise un peu les lunettes sonar, histoire de voir où sont nos amis. Lui, c'est le plus chiant. Voilà, tout simplement. Fusil à pompe, masque à gaz. C'est vraiment un chiant. Là, il me semble qu'il y en a un qui arrive, parce que la dernière fois, par précaution, on va se foutre ici. Voilà.
persuadé d'avoir entendu un truc. Est-ce qu'il va venir ici? Lui, normalement, il fait une ronde. Mais j'ai bien l'impression qu'il est reparti pour redescendre. Non, oui. Oui, non. Non, oui. Oui. Oui, c'est bien. Voilà. Tu vois quand tu veux, mon gars. Allez, on va te mettre avec ton pote. Ton petit pote. Histoire que tu nous fasses pas... Bah tiens, on va te mettre là plutôt. T'es bien, là. Tu fais chier personne. Maintenant... On va regarder sous la porte. Non, c'est bon. On ouvre la porte et on va charger de celui qui se trouve en dessous. Où est-il exactement? Il est là. Voilà. Le problème, là, c'est la lumière. On va déjà observer où se trouve notre ami avec le masque à gaz. Bon, là-bas, on a dans deux autres. Il est là-bas. Par sécurité, on va monter. Je vais reprendre mon pistolet silencieux. Et je vais me faire les deux. On va déjà les marquer. Normalement, ils sont deux, là. Voilà. C'est par ici. Et dès que notre ami au masque à gaz, ici même, s'éloignera, daignera s'éloigner, nous irons nous occuper. Bah, nous allons nous occuper. Voilà, et maintenant on va se charger. Hop, on va passer là. Et normalement, je peux me le faire d'ici. On va attendre qu'ils reviennent gentiment. Voilà, l'infiltration, c'est ça les gars. Hein. C'est vraiment de la patience, mais alors une patience d'enfer. Et moi, de la patience, j'en ai. Et comme vous voyez, hein, y a tout à notre disposition pour se débarrasser des types en toute discrétion. Donc, on va pas s'en priver. Des mumus ici. Alors, est-ce qu'il veut bien revenir? Oui. Est-ce que d'ici c'est pas trop pour faire une élimination aérienne? Je ne sais pas, j'espère pas. J'ai l'impression que oui, malheureusement. Mince pour moi. Ah putain, ça c'est pas bon. Oh, putain, c'est chiant. Eh ouais, on en doutait bien aussi que ça allait. Est-ce qu'il vient jusqu'ici? Déployez-vous et fouillez la zone. Le problème, c'est qu'il vient pas dessous, quoi. Voilà. Il a eu le temps de parler encore en étant assommé. J'espère qu'il a pas appelé la cavalerie. Normalement, c'est le dernier de ce, on va dire, ce passage. Donc, on est tranquille. Allez, par politesse, on va les cacher. Toujours cacher les corps, même si vous n'en voyez pas l'utilité immédiate. Toujours planquer les corps dans Splinter Cell, je ne cesserai de le dire et de le répéter. Hop, voilà, un petit tas de bonhommes. Allez, on continue. Là-bas, rien à voir, hein. C'est juste un tas de pièces et de bureaux, comme vous avez pu le voir ici. C'est vraiment rien d'important à voir. Tout se ressemble, tout est pareil. Nous, on continue par là. Pour l'instant, tout se déroule impeccablement. J'en suis content. On observe dessous. Est-ce que là, il y a d'autres bonhommes? Allez. Et la fin, Grim, voilà, je suis dans voter. À tout de suite. Ces types étaient pressés de partir. Des fichiers iraniens.
Unité Alcods. Ça explique pourquoi il tenait Nouri à l'œil. Je les scanne. Si on avait besoin d'une preuve que l'Iran est derrière la Blacklist, on l'a. Faites passer ça à Caldwell. Et rapidement. Merde. Grimm jette un œil à ça. Ils ont calculé des zones d'effet en cas d'attaque. C'est quoi ? Nucléaire ? Bombe sale ? J'en sais rien. Je vous envoie un manifeste de FAT. C'est le dernier chargement ? Ouais, c'est bon, on a tout. Ok, préviens tout le monde. On traîne pas. Leur dernière cargaison va partir. À Briggs d'intervenir. Dis-lui d'arrêter le camion. Négatif. C'est notre seule chance de savoir où ils vont. Je vais poser un mouchard sur la cargaison. Ils ont des combinaisons hazmat, tu sais pas à quoi tu t'exposes. J'ai vu pire à l'entraînement. Si un seul garde te repère, tout est foutu. Tu oublies à qui tu parles. Ok, donc avant de nous lancer, je viens de m'apercevoir que franchement les lunettes de Sam que je lui ai mises sont vraiment alors moches, c'est de chez moche. De plus, je vais pas enlever la tenue désert, donc il a une espèce de tenue, c'est la tenue désert. Pourtant il me semblait que c'était la tenue ville. Enfin je sais pas. Mais les lunettes en elles-mêmes sont moches. Donc petit passage maintenant pour poser le mouchard, et donc le but est tout simplement pas se faire repérer et aucune élimination, 100% infiltration. Et donc là, comme vous voyez, encore un autre bonhomme. Un autre bonhomme avec ses drones. Donc, si je fouille, j'ai pas trop envie de me faire repérer. Et bon, là, c'est chaud. Donc, Voilà, là il faut appuyer sur A et pas se poser de questions en fait. Sam, attends. Le manifeste que tu as trouvé. Ce sont les composants d'une arme chimique. Un dérivé du gaz VX. Comment tu le sais ? L'intuition. Et une bombe dans une boîte de confinement. Je vais l'ouvrir. Sam, si c'est une boîte de confinement, tu cours un vrai risque d'exposition. Pour que ça marche, je dois planquer le mouchard. C'est notre seule chance. Quelques microgrammes de VX peuvent être mortels. Sam ? Sam ! Ça va. Le mouchard est placé. Attends une seconde. Quoi ? J'ai enregistré les appels qui transitent par l'antenne téléphonique près de l'usine. C'est haché, mais écoutez. Envoyez-la à l'ouest. Intervertissez les chauffeurs sous le pont, et puis partez. L'IMS trouve une correspondance partielle de la voie. Il y a des chances pour que Sadik soit dans le complexe. Envoie-moi sa position. Je m'occupe du reste. Tout de suite. Ok, donc les ingénieurs. Je peux pas sortir tant que ce camion n'est pas parti. Oui. Je reste discret. Comme je disais, les ingénieurs sont bel et bien en possession d'une bombe sale. Donc nous, là pareil, hein, comme tout à l'heure, quitter la zone, pas se faire repérer et aucune élimination autorisée, c'est de l'infiltration. Sachant qu'ils sont quoi, en fait en gros. 1, 2, 3, 4, 5, ou en gros 5 quoi. Et comme vous pouvez le voir écrit en blanc au fond là-bas, trouvez Sadik. Sam Fisher n'aime pas les Sadik. Voilà, et nous on va redescendre ici. Hop, bon, si tu veux descendre, oui, bien Sam. Allez. Là, c'est vraiment. Ça passe ou ça casse. J'ai pas envie de me faire repérer. On va attendre que notre ami au fond se retourne. S'il veut,
S'il a envie, je sais pas, peut-être il a pas envie. Je vois qu'il est ici, ça m'arrange pas trop. Non, viens pas ici. Pourquoi tu viens ici? Qu'est-ce que tu viens foutre là? Allô, quoi? Allô? Il là. J'ai eu chaud. Chaud, chaud, chaud. Bon, plusieurs passages possibles ici, hein. Pour traverser, on va dire, la pièce jusqu'au fond. Moi, je ne passe pas ici. Je préfère passer, on va dire... Ah, mais non, mais attendez. Ouh, mais c'est en fait, c'est un passage... qui passe carrément dessous la pièce précédente. Ok, autant pour moi. Je me suis planté. J'ai cru que c'était une pièce qui mène au fond. Je m'en fous. Allez, nous, on va aller à notre prochain objectif. Prochain objectif. On passe au plafond, comme d'habitude. En évitant le projecteur. Parce que là, le moindre bruit, ils vont se ramener. Et ça sera encore pire qu'avant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les ingénieurs sont en possession maintenant d'une bombe sale, hein, tout simplement. 8 ennemis non alertés. Allez, on continue. Autorisation d'ouvrir le feu. Si Sadik est ici, c'est qu'on est au cœur de l'opération. Tu vas droit. Ok, si tu veux. Sam, Grim, le camion est en route. Mouchard activé. On va pouvoir suivre ce bijou jusqu'à l'autre bout de la planète. Comme vous pouvez le voir à l'écran, un conduit, enfin un conduit. Là, je viens de prendre un conduit et la prochaine, prochain chemin, on va le prendre via ce tuyau que vous avez pu apercevoir. Allez. Normalement, là, j'ai un collègue qui va se ramener. Hop, voilà. Toi, tu fais dodo. Ça, tu m'emmerderas plus. Bien évidemment, on peut de nouveau tuer les ennemis. Ça, vous l'avez sûrement entendu. Ce trou de tuyau, il est là. Le problème, c'est qu'il y en a. Nous avons un ami qui observe. Ouais. Je crois que là, il est caché à notre vue. Ouais, c'est bon. Petite précision, le bonhomme au fond là-bas, celui que vous avez vu tout à l'heure, là, à l'instant, c'est une cible. Il s'agit d'une cible à capturer la première fois que vous faites le niveau. Bon, sachant que je l'ai déjà faite, je n'ai plus besoin. Allez hop, nous on prend ce chemin-ci. Dernière chose, Sam tout à l'heure dans le camion qui est, où je ne devais tuer personne, a été exposé au gaz et comme vous pouvez vous en apercevoir, il tousse, il commence à avoir des troubles de la vision et de la respiration. Et je dois vous dire que ce passage, j'ai adoré. Tout simplement, c'est vraiment un passage énorme. Si je peux m'éliminer, nos amis. Voilà. Là. Alors là, par contre, j'ai chaud. Non, ne me tue pas, ne me tue pas, ne me tue pas. Oh non, il m'a tué. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Première mort de ce niveau. Une mort un peu bête. Il faut l'avouer. Mais bon. Donc ben on va refaire comme tout à l'heure. Hein. Hop. Est-ce que l'un d'eux a été alerté? Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Le problème, c'est que là, je pourrais très bien passer et en éliminer aucun, mais c'est pas mon but.
j'ai pas trop envie. Donc, on va se les faire un par un. On est rendu à combien? 45 minutes, ouais. Ça commence à faire. Ouais, ça me commence à toucher, à tousser. Bon, lui commence à me gonfler, à toujours voir quelque chose là. No way. Voilà. Lui normalement. Mais viens là, viens! Excusez-moi, je ne parle pas. J'ai plusieurs hommes à terre, alerte maximale! Putain, il est pas venu, mais. Putain, c'est des ouf, quoi! Hey! Viens m'aider par ici! Ok. Ouais. Allez, on va prendre notre arme au cas où. Non, putain, mais oh! Putain, en plus, lui, c'est un armé, il est lourd. J'ai rien du tout. Bon, ma mine électrique, c'est bon, hein, fait effet. Je ne suis pas repéré pour le moment. Ça ne saurait tarder si je ne fais pas attention et que je commence. Give me some help. He disappeared. Hang on. Hey, il parle en anglais. Putain, ouais, j'avais pas le choix là. Pas le choix du tout. Voilà, tant pis. La phase, on va dire, d'infiltration aura pris fin très tôt. Allez, en façon là. On voit qu'un plan qui les corps, j'aime bien. On n'a pas été fin tacticien dans la façon de procéder, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail, oh lolo, faut pas faire attention. Et puis se ressemblent tous. Non, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas très. Voilà, quoi. Bon, ils ont pas tous la même tête, mais c'est pas loin d'être le cas, quoi. Mais ouais. Votre ami qui travaille à la DDE. Ils ont vraiment une double vie, ces gars de la DDE, hein. Allez. Par contre, je me rappelle, bon, il y a encore un ici. On va se charger de lui. Sam commence à aller de moins en moins bien. Ça, c'est un carré visier. Oh, bah, il y a plein de corps ici. C'est pas trop normal. Bon, allez. On va voir Sadik. Si on a la chance de le voir. Enfin, j'ai la chance. Là, il me semble que j'ai pas envie de faire le petit coup. À partir d'ici, je vais me taire et vous laisser apprécier cette. Ce passage. Donc je vous retrouve dans une minute ou deux. C'est ce que j'étais en train de dire, j'ai coupé le micro trop tôt. Allez, à toutes.
mauvaise nouvelle. Il y a une station de décontamination qui te bloque la route. Je fais n'importe quoi là. Ah oui. C'est normalement, c'est bien ici qu'il faut aller. Attendez, qu'est-ce que je fais? Ah oui. Oh là là. Eh oui, c'est bien en dessous. Allez, hein. Pauvre Sam, je fais faire n'importe quoi. Voilà, c'est Sam, ici. Je surveille tes fonctions vitales. C'est vraiment pas terrible. Donne-moi le signal et j'arrive. Négatif. Vous couvrez ma sortie. C'est Sadik la priorité, pas moi. Ouh le chaud là. Allez, un coup prochain. Ah mince, je l'ai pas vu arriver. Putain, c'est chien. Eh oui, je me suis planté. J'ai oublié un passage. C'est pas tout de suite le moment. On y arrive là, assurez-vous. On y arrive. Excusez-moi pour cette petite erreur. Je sais pas ce que c'est cette lumière rouge là. C'est une espèce de... je sais pas. On va la voir. Oui. C'est maintenant. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Hypertension, tachypnée, tachycardie. Sam, tout indique une exposition à un gaz neurotoxique. Je vais bien. Mon copain. Ouais, là ça va vraiment pas fort. Hein. Désolé, c'était plus fort que moi, fallait que je parle. Vous voyez le produit qui s'échappe un peu de partout là. Et Sam, sans combine, sans au moins un masque à gaz, n'importe quoi. C'est sûr qu'il va pas faire long feu. Allez, on va passer ici. Ah ouais, ça va vraiment pas fort là. Ton niveau d'oxygène est en chute libre. Il te faut un médecin, Sam. Reste. Bon, je peux plus me servir des armes. Hein. Il ne répond plus. J'y vais. Allez, à tout de suite. J'ai vu mieux comme accueil. Je t'ai donné un ordre? Je croyais que... Ça t'apprendra. C'est Nouri qui t'a mené jusqu'ici? Encore des amis au renseignement. Félicitations. Réponds à ma question. Rends-toi. Je te laisserai peut-être vivre. Alors, qui tu es, toi? Un Américain, on dirait. Oh! Ça, qu'est-ce que c'est? Un 40 bits. Tu t'es entraîné à l'étranger? Forces spéciales. Mais je me demande bien lesquelles.
es un mystère. Qui es-tu ? Je suis le type qui va te tuer. Ah ? Parce que je suis au-dessus des lois ? Ou parce que je tue pour une cause ? Si c'est le cas, on se ressemble beaucoup, tous les deux. Tu assassines des innocents. Parce que ta présidente envoie des types comme toi dans des pays où ils n'ont rien à faire. Je t'emmerde. Où est ton équipe? C'est un Makarov. Il te reste qu'une balle. T'as pas intérêt à te planter. On parie? Parce qu'une seule me suffira. Descends-le, Briggs. Non, négatif, Sam. Vas-y, tire. Tue-le. Briggs, il faut faire quelque chose. Ces signes vitaux sont en chute libre. Tu avais tort. Va. Va stopper, sadique. C'est un ordre. L'atropine ne suffira pas pour que Sam puisse s'en tirer. Montez sur le toit, vite! Eh oui! Première confrontation avec Sadik. Procédé. Foutons le camp d'ici! Procéder à l'extraction avec Briggs, ok. Bon, là, ça va un peu mieux, il lui a injecté, on va dire, l'antidote. Ouais, pas plus ça comme ça, hein. Mais c'est qui ? Attention, ah ouais, là, les problèmes, les vrais problèmes qui arrivent. Ils sont trop nombreux pour les prendre de face, je vais les distraire. Toi, tu passes sur le côté, tu t'en occupes. Ok, mais moi, je passe pas sur le côté, je passe par en haut, les petits Briggs. C'est pas ça que je t'ai passé. Voilà. Non, parce que là, leur faire face, c'est inutile. Complètement inutile. Hop. On passe là. Hop, hop, hop. Tout simplement. Là, on va attendre un peu. Parce qu'il y en a d'autres qui vont se ramener ici. Je répète, en position. Et puis Briggs se débrouille très bien sans moi. Tous à couvert. Voilà. Là, il y a les autres qui sont arrivés. Wally Wallou. Et hop, voilà. Tout le monde à couvert. Ah bah voilà, il l'a eu. Impeccable. Nettoyé. Bon, on ramasse pas les corps, hein, comme vous en doutez. Ça va, Sam ? Sam ? Oui, ça va. Allez, on monte pour l'évacuation. Seul problème, comme vous l'entendez, nous avons encore du monde. Vous y êtes presque, derrière la double porte. Allez, vite, ça ne ferme pas la porte. Voilà. Allez. Bon, là, comme d'habitude. On les attaque dans le dos, tout simplement, en prenant bien soin de faire attention. Là, on va changer de lui. Et on va aller voir notre ami au fond. On va baisser. Voilà. R-
Where are you, Briggs? Rico? Allez, ok. Bon, après, vous avez la façon, on va dire, un peu plus bourrine de s'en débarrasser avec les bonbonnes de gaz. Continue d'avancer! Vous savez ce que j'en pense. C'est bon. C'est dégagé. Grim, balise installée. L'hélico est en route. Ton couteau. Sam. On aurait pu en finir. On tenait, Sadik. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Finir le boulot. Moi, X. Y a rien de plus important. Ni moi, ni toi. Rien. Fous-moi la paix! C'est fini, Briggs. C'était ta dernière mission. Poudoudou. Bon, alors qu'est-ce que ça dit au niveau de l'infiltration? Ah, j'ai fait du point là. Oulolo, oulolo, j'ai fait du point, du point, du point. Hop, 4850. Panthère, bon, je dois pas avoir grand chose, logiquement. Ouais, c'est correct. Sachant que mon but n'est vraiment pas de faire du panthère ou de l'assaut, hein. Ridicule, 150. Bo 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 bo. Et voilà. Et en pognon, 212 000. Combien de temps j'ai mis? 54 minutes, ouais, c'est vrai que j'abuse un peu. Bon, là, par contre, au niveau du metagame, moi, je vous ferai ça dans une autre vidéo à part. Une petite vidéo de 10 minutes, un quart d'heure. Parce que là, sinon, ça devient inregardable. Et trop long, surtout. Trop long. Fantôme, ouais, ça va. On a crédité notre compte. Du popo, du pognon, merveilleux. Allez, on passe. Cinématique. Merci, vous m'enverrez les résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas encore tiré d'affaire, mais ton état est stable. Pas moi, Sadik. Parti, mais le mouchard est toujours actif, on sait où est la bombe. Sam, non, il te faut du repos. Ce dont j'ai besoin, c'est de voir les infos qu'on a sur l'Iran. La présidente a fait une déclaration hier soir. Le pays a soif de sang. Alors pourquoi on est encore là? Parce que Grimm ne croit pas que ce soit l'Iran. Tu n'es pas censé reconfigurer le système? Quoi? À chaque fois qu'ils ont laissé des indices en évidence, c'était pour mieux nous tromper. Ils ont peut-être paniqué. Sadik n'aurait pas été là s'il avait su qu'on venait. On ne peut pas risquer une guerre s'il reste le moindre doute. Tu as raison. C'est une décision trop importante. Ce qui veut dire qu'on a du boulot. Ok, bon. Les gars, je vais vous laisser ici. Hein, on a terminé pour cette mission. Prochaine étape, et ben, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, mission spéciale, Téhéran, en Iran, direction l'Iran. Pour le metagame que vous voyez ici, je ferai une petite vidéo à part, et je vous la mettrai histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, je vous laisserai le temps même pour répondre à votre... jouer avec moi là, à ce petit metagame. Ce serait juste une question de jeu de piste, tout simplement. Je vous laisserai... entre chaque message, 2 minutes, histoire de réfléchir un peu et qu'on trouve la réponse. Bon, je vous laisse ici, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce Splinter Cell Blacklist. Je vous souhaite une bonne soirée, tout ce que vous voulez, une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gars, à plus.